Et bonjour à toutes et à tous, c'est Squad 29.1 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de mon let's play sur Alien Isolation. Alors si je me souviens bien, l'alien on avait réussi à l'enfermer, c'est ce que j'avais compris, donc là il était en sécurité, on sait qu'on le voyait se balader, mais je crois qu'il n'y avait pas de conduit pour qu'il puisse venir. Enfin, on va voir ça assez rapidement quand même. C'est la station Sébastopol, tout ça. Bien, madame. Du moins monsieur, on sait pas. Alors. Faut que je mette une combinaison ? Bon bah. Apparemment non. Pas besoin de mettre des combinaisons. Bon bah lui il est vraiment bien mort. Hein. Quand j'ai fait voler la clé avec mes pieds. La meuf elle est championne du monde du football quoi. Alors c'est bizarre ce qu'on entend l'alien mais. Enfin je sais pas, j'ai pas l'impression d'être en sécurité même si je sais qu'il est enfermé quoi. C'est fort étrange. Regardez les trucs verts, c'est de la kryptonite. Oh lui va me faire chier lui. Oh il va me faire chier quand je vais appuyer sur le bouton. Oh oui lui il va me faire chier quand je vais appuyer sur le bouton, vous allez voir. J'en suis sûr. Putain. Qu'est-ce que je disais? Saloperie. Regardez. Maintenant, reconnectez les systèmes du labo à Sébastopol depuis la console qui se trouve dans le labo central. On compte sur vous, Ripley. Fuite de matière dangereuse détectée. Alors. Fuite de matière dangereuse confirmée. Lancement de la procédure. Oh, j'aime pas quand ça sonne. Allez, ah, il est vachement enfermé que ça nous parle. Hein. Il est vachement enfermé. Veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche.
vachement enfermé que salopard. Hein. C'est pas vrai. Faut aller où? Là-bas. Ok, on va continuer tout droit. Ici, on va se syndiquer. Je savais que ça son pays était pas enfermé, j'en étais sûr, c'était tellement logique. Ça aurait été trop facile. Bon, je... Merde, par contre je vais me soigner. Elle se casse, c'est le moment. Et puis on sera bouffé. Oh putain! C'était quoi ça? Ok, si j'ai bien compris, le mec il nous a trahi quoi, d'accord. Ok. Alors là il voulait que je fasse la pas quoi. Ça veut dire que là je suis enfermé avec lui. D'accord. Ah bah c'est bien d'être enfermé avec lui hein. Ah merde, je suis bloqué là. J'ai arrêté le plan. Ok, vous à gauche. Ensuite, normalement c'est par là. Ok. Il n'a pas vu. Jean-Bernard, il m'a pas vu. Pressuriser le sas. Ok. Alors, je vais pas sortir par ici. Ok. Et là c'est verrouillé aussi. Ah là oui là, salaud. J'ai où? Attends, la pressurisation du sas. Ah ok. Oh, je suis bien alors, je peux attendre ici. Putain, j'ai bien fait d'avancer dans l'espèce de conduit là.
Ah, ça va être chaud, les gars. Oh le con. On l'a eu. C'est bon, ça fait mal. Ce que je vois, on l'a eu. Par contre, je pense que l'autre va le buter, l'autre, le wait là, parce que. Enfin, je dis, on l'a eu. Je sais pas, ça me paraît un peu facile. Ouais, enfin, on verra bien de toute façon. Mais je pense qu'on l'a eu. Je pense qu'on l'a eu, donc on peut enfin souffler. Et ça, c'est bien. Quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde. Ça a marché. Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Il y a ça. Il y a ça le fait que vous êtes une ordure sans scrupule. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Ouais, ça va barder. Ça, c'est bien, ça. Baston. Oh, 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 ça j'aime, bébé. Ça j'aime. C'est quoi ça? Ok. On est où? Oh, ça je vais, bébé. Ça, ça va me plaire, ça. Oh oui. Un bon pépon à l'ancienne, les gars. Alors, c'est efficace contre toi, les humains, les androïdes. Ça c'est la bonne nouvelle de la journée, ça les gars. Un fusil à pompe. Oh non. J'ai trouvé le dernier joint de transmission. Ça m'a pris un peu de temps, mais il est éteint maintenant. Je suis juste en train de fixer la dernière oh sécurité. Rejoins-moi quand tu auras éteint le tien. Ensuite on pourra se barrer d'ici. Bah c'est l'occasion de tester. J'entends des bruits de partout. Au moindre crâne. C'est une violation de la sécurité. Ah ouais. Approuvé. Testé, emballé, acheté, direct reçu. Ça je kiffe. Ça je kiffe, je le veux. C'est mort, je garde mon flingue. Y'a que ça de vrai de toute façon dans les jeux. Le fusil à pompe, y'a que ça de vrai. Bon, va falloir trouver des cartouches parce qu'avec 3 cartouches, je vais pas les chier loin. Mais... Alors... Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Pas grâce à Wade. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de mort. S'il a
on serait peut-être pas là. Ce qui est fait est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Laisse tomber. Tu m'as fait sortir au final. On se voit au bureau. Alors, Kaamelott, Kaamelott, ok. Je suis complet partout en Kaamelott, moi c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je peux créer avec Kaamelott? Ah, ok, je suis rempli de partout en fait. Eh, on va créer du medikit à fond. On a jamais trop de medikit. On en a jamais trop. Attends, ah, des mini-UM aussi, ça peut être pratique contre les androïdes. Voilà. Comment on balance les mini-UM? Faut les prendre dans la main, non? Ah ouais, d'accord. Ok. On va sauvegarder, tiens. On va sauvegarder le pépon. On va sauvegarder le pépon. Je l'aime, cette arme. Putain. Ah, finalement, j'ai même pas eu l'occasion de tester le lance-flamme, quoi. Parce que j'ai réussi à me cacher de l'alien. C'est un peu dommage. C'est quoi? Ok. Comment on passe? Faites confiance à ma lambda, toujours disponible, toujours à l'écouter. On est dans le courant de ce temps. Merde. Nos synthétiques sont conçus dans la simplicité. Quoi? Activé? Ok. Allez, R2-D2. Attendez-moi, attends-moi R2-D2. Tu m'emmènes dans ta maison? Tu m'emmènes dans ta cachette? Non, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Hop! Toc, toc, toc. Rip, j'aime pas jouer les rabat-joie, mais y'a un problème avec les androïdes. Y'a un problème avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivé. Bonne remarque. Ils ont abandonné leur poste. Je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Regarde à toi. D'où l'utilisation du fusil à pompe. Ça va être bien. Ah, c'est que j'ai que 3 cartouches. Ah, moi je leur crache au visage. Je pense qu'on va devoir jouer les Splinter Cell et les éviter. Y'a quoi dedans? Cartouche de fusil, une. Putain, fait chier. C'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Changement de statut de l'alerte. Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. Fumigène, carburant, ok. Alors. Allez, on démarre le courant. Voilà.
Ah ouais. Sur qui ça tire? D'accord. Mais vise la tête, trop de balle. Oh, il va couler. Patate, non. Oh, violent en mode. Ok. Comment est-ce qu'on va faire? Regarde, j'aime pas ça. C'est bon, il s'est barré. Ah, mais pas lui. Aveugle ? Ouais, aveugle. Fusil ! Au revoir. Merde, c'est pas mort là. Oh merde. Bonjour. Attends, je suis dans la maison, regarde des deux, tu m'auras pas comme ça. Est-ce que ce serait bien que j'économise les cartouches, parce que là, si j'économise pas, ça va pas le faire quoi. J'ai que 4 cartouches et je pense qu'il n'y a pas que 2 androïdes. Attendez, il faut que j'aille où? Mais du coup, il faut que j'aille là-bas. Ok. Eh ben, on va tracer comme une grosse merde. On va pas tracer comme une grosse merde. Attention, il marche, il court pas. Enfin, il marche vite quand même. Hein. What? Pas de vue. Appelez-moi chez les androïdes dans la nature. Ils attaquent à vue. Je comprends rien à ce foutoir. Ils sont pas en train de répondre à des violations de propriété. Et c'est comme s'ils étaient en train de chasser. Chasser qui? Tout le monde. Et personne. C'est-à-dire? Une seconde. C'est Jean-Bernard. Oh merde. Enfoiré, salaud de meurtrier, laissez-les tranquilles, arrêtez. Et chier. Merde. Oui, il est mort. Wait. Fais chier. Bon, normalement, j'en ai buté 2. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, eh ben écoutez, on va trouver un point de sauvegarde. Hein, il y en a dans les barrages ou pas? Non. Et on va se laisser sur ça dès que je trouve un point de sauvegarde. Ok, petit pétrin cam. Avertissement. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Omega. Merci. Ouais, ça me dit vachement quelque chose.
Oui, étrange comme tu dis. Je suis passé à côté de toi, tu m'as pas vu. Récupérer la carte, toc. Merde. Attendez, on va le buter sans faire de bruit. Voilà. Ah, elle est vachement pratique cette arme quand même. Vous croyez que ça fonctionne sur les androïdes? Y'a pas un truc pour sauvegarder ici? Non. Ah si, là, bah voilà. Ouais, on va fouiller avant, y'a rien à fouiller ici. Si. Et on va sauvegarder lui. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode 12. Et puis bon, on se retrouve pour l'épisode 13. Bye bye.